La Terre des antiques supérieures et les rives du Pacifique en Grèce, la Grèce et le Grand Nord. Oui. Sa portion rétro-pancréatique et rétro-territoriale. Oui. Et les rives à partie supérieure n'en coulerait pas. Ah. Bon. Elle fait donc pas très bien terminale pour ce Grand Nord. Ciò pure però che hanno allargato anche non si di l'artera alla stomatica pure però lo ha e l'artera terminale non ha testato e se non porto mi viene l'artera come vera qui a vento le sapere grini questi quando vado alle sono diritti superiori ora sono nome tu sa sese qui la mia ora se presa Gigi Natalia si organizza un arcato qui assume une vascularisation clinique de l'intestinal. Oui. Sans doute terminal. Oui. Vérifiez les deux. Comme je vous l'annonce là. C'est bon? Bien. L'artère polyque supérieure joie. Bien. Chemine dans la bouche du droit. Hein? Ah, oui. Mais
obliku obavljanja dužnosti, mi na tim kinama se kupljamo i nismo. Znate, jedan potosom, u potali mi, jedan. A onda, evo, u ljude nekom sa obliku obavljanja dužnosti, što bi obliku obavljanja dužnosti, on ti bi možno, kur bi pomjav, a to je, to bi. C'est un adhère qui est mon cadre à droite et qui est mon cadre à gauche. Reste tout médiable par rapport à l'ultère et au vaisseau qu'on a dit qu'il y a en 20 minutes. Qu'est-ce qu'il veut ou pas? Toujours médiable, ah oui, toujours médiable. Elle croise en descendant les vaisseaux diatomiques. Vous voyez, ça c'est la première diatomique. Mais plus précisément, elle croise la pierre iliaco comme une primitive gauche. Et elle se termine dans la portion verticale de l'isocorps sigmoïde, avec un catalogue contraire. On a le tube digestif chez l'homme brillant, et toujours cette plane médiane. Voici la cavité abdominale primitive. Là, vous avez la horte primitive. Et là, vous avez le colon gauche, c'est une courbe horizontale, le colon gauche primitif qui est sagittal médian. C'est un organe intra-péritonéal. Donc, obligatoirement, il est recouvert de péritoine. Dès que ma main qui rentre dans le ballon, ça, c'est le méso de ce colon. Et ça, c'est la cavité péritonéale. La partie qui reste lointaine, c'est le péritoine par les pas. La partie qui s'accole à la main, c'est le péritoine viscéral, et ça, c'est le mésocolon. Dans le mésocolon du colon gauche, c'est-à-dire du colon descendant, circule l'artère mésentérique inférieure et ses branches. Donc là, j'aurai des artères qui vont vasculariser, des branches coniques qui vont vasculariser le colon gauche. Les au fur et à mesure du développement, la partie du colon qui va se placer à droite donne le colon droit, et il y a une partie du colon qui va se placer à gauche, qui donne le colon gauche. Trois lignes, je connais. Voilà que c'est ça. Moi, j'ai l'embryon, en fait, pour construire un axe, tout est placé du haut en bas. Donc, le colon droit, j'ai trouvé le colon gauche. Je fais une boucle avec. Par ces mouvements de déplacement périodéal, qu'est-ce qui se passe? Le colon va se parapitaliser à gauche. Chez l'embryon aussi, vous avez primitivement l'ultère qui est rétro-péritonéal qui est là. Le schéma définitif sous chiardien, tout ça va se déplacer ici. On va avoir ça. Définitivement, le colon va venir là. Et selon le même principe, on va avoir comme d'autres. Ça, ce sont les branches polies. Ça, c'est le musocolon descendant qui s'accole au péritoine pariétal pour donner ici des morphies, le fascia de Toll. Le fascia de Toll, va être reconnu. Ben, lui, c'est. Cet accolement s'arrête ici, de ce moment-là, le col vigilaire, la gouttière, pas une autre. Bien. Et l'urtère est ici. Donc l'urtère est toujours en dehors de l'essence de la mésentérite inférieure. Chaud. La tête mésentérique inférieure, l'urtère est en dehors. Urtère, mésentérique inférieure. Mortée, moi-même. Ah! Comment je fais une coéconomie gauche? C'est très simple. J'ouvre le ventre, elle doit aller, manche, comme il avait. J'envoie par la, ma main le colon. Donc, j'écarte bien la gouttière par du tout colis. Et je vais dans cet accolement qui s'appelle le fascia de Toll. C'est un accolement à vasculaire. Et je décolle, je décolle, je décolle en allant dans le vent blanc. C'est-à-dire dans l'accolement avasculaire. En décollant, qu'est-ce que j'obtiens à la fin?
je rends au collant sa position embryonnaire. Je peux le rendre médian. D'accord ? Après le décollement, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Mais en faisant le décollement, je dois. Oh là ! Quel jeune chirurgien, vous comprenez que je suis jeune chirurgien, je ne me prétends pas. Un chirurgien. En faisant le décollement, je suis dans un plan avasculé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire de décollement qui est dans le chirurgien? Oh, ça fait, il sait. Allez, je le décollement, il sait, parce que tu es dans le mauvais plan. Allez, je suis dans le mauvais plan. Parce que quel rabat de Rahmel? Tu vas aller, malheureusement, décoller, ici, tu blesses les vaisseaux. Ça c'est. Voilà. Tu vas ici. Tu es dans le rétro-péritoire, ça c'est. En plus, en faisant ta colectomie, tu dois t'assurer, après avoir fini le décollement, que tu as laissé de toute ton place. Parce que si tu vas dans le mauvais plan, regarde qu'est-ce que tu peux faire. En porter le pire avec toi. Donc l'urtère est un rapport postérieur du muscle de centre, qui est toujours en dehors de la tête des empiriques, a un accès de porte-saut de décollement qui est à la tête. Tu décolles, tu décolles, tu décolles, tu décolles, tout ce que tu de la tête des empiriques. Ici, et le boussole dernier, on va de chez l'urtère, c'est ça. Bien que ma marin première commencée que j'aime bien, elle n'est pas vue parler. Mais bon, pas toujours. Donc, celui qui comprend correctement les bases embryonnaires comprendra les bases de la chirurgie gothique. Pas de problème. Je n'ai rien à descendre la partie de l'hôpital, mais ce point en secours. Maintenant, il va tout le monde qui dit pas, 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 elle a déjà signé des testicules. Elle a plus de colon ascendant, elle a plus de colon transverse, elle a plus de colon descendant. Mais elle a plus de colon signifie qu'il y a deux racines. Une racine verticale et une racine horizontale. La terre des empiriques intérieurs se termine dans la racine verticale. Ah, les empiriques intérieures sont là, derrière le détroit, en dehors de la terre. Courbure concave à droite, horizontale à gauche, qui se termine ici, dans la racine verticale du muscle. Il dit ça, la racine primitive. Verticale par la primitive. Voilà. C'est à dire les antériques inférieures, ça c'est une vue postérieure. Hein. C'est à dire les antériques inférieures va se déliminer sur la face postérieure du rectum par deux planches terminales en regard de l'estomac. Qui a un squelette, tu lui perds la vertèbre, l'estomac sur le coude sagittal, l'estomac est une vertèbre. Elle donne deux branches terminales, des artères rectales supérieures droites et supérieures gauches. Grosso modo, qui va venir là. La droite est postérieure et la gauche est postérieure. La terre rectale supérieure droite est plutôt postérieure. La terre rectale supérieure gauche est plutôt en plus. C'est à dire les antériques supérieures. Now, je regarde, je tourne gauche, qui est hors de la face antérieure de l'homme. On regarde les droits, qui oblique en bas et à gauche, avec une fontaine de l'eau, qui reste en dedans de l'urtère des vaisseaux pêche, et qui se termine dans la racine primaire verticale, où nous sommes en comprenant les deux artères rectales supérieures et gauche, la droite qui est plus postérieure, la gauche qui est plus postérieure. Va donner des branches qui sont des artères coniques. Elle est gauche. L'artère conique supérieure gauche, qui donne une branche ascendante qui porte avec l'ascendant du côté droit à la gamme de l'Europe. Cette artère de branche est pas trop à l'autre aussi. Par une artère qui s'appelle la conica media. Ou à l'Eya, qui est pas trop à l'autre aussi. La tête conica media, la conica media, mais soit
loi de la mésentérique, ce qu'il y a. C'est une loi inconsciente de tomber dessus, ou elle même directement de là. Elle renforce la mésentérique. Voilà. Là, j'appelle la mésentérique, mais elle est latine. En même temps, je veux dire que le bien, il se dit que le la colique amidien renforce la mésentérique. Ben, moi j'attends une mésentérique appelle. Tatine, la colique moyenne gauche. La colique moyenne gauche est inconstante. Et la colique inférieure gauche, voilà, elle est le long des artères sigmoïdes. Il fait ici le long des sigmoïdes, c'est ça, regardez bien. Mésentérique appelle aussi. Oblique envoyée à gauche avec une concavité droite. Se termine par les deux artères rectales supérieures. Va donner la colique supérieure avec une branche ascendante ou une branche descendante. C'est-à-dire la mésentérique supérieure, c'est-à-dire la colique supérieure droite avec une branche descendante, la branche ascendante, c'est-à-dire l'arcade dominant. Cette arcade dominant est parfois renforcée par une colique médiane. Ou elle la S, la colique médiane, la R colique moyenne, point. Comme l'artère colique moyenne droite, l'artère colique moyenne gauche, ou LS, l'artère du colon ascendant, l'artère du colon descendant, ou comme l'artère colique moyenne, bon, liée à la colique médiane, ou l'artère du colon transverse. L'artère colique moyenne de gauche est inconstante, ou j'ai oublié que l'artère colique inférieure gauche, voilà le tronc des sigmoïdiens. Regardez comment il va se distribuer. Y a-t-il l'artère sigmoïdienne supérieure. Cette artère sigmoïdienne supérieure donne une branche ascendante, une branche descendante. Y a-t-il l'artère sigmoïdienne supérieure qui donne une branche ascendante et une branche descendante. Ou y a-t-il l'artère sigmoïdienne inférieure qui donne le plus souvent une seule branche ascendante. Ça forme le tronc des artères sigmoïdiennes, droit à l'air. D'accord, je l'ai fait. L'artère colique inférieure gauche. L'examen de tronc des sigmoïdiennes donne une artère sigmoïdienne supérieure. Il donne une branche ascendante qui s'anastomose avec la descendante de la colique moyenne gauche. Et une branche descendante. La sigmoïdienne moyenne donne une branche ascendante qui s'anastomose avec la descendante de la sigmoïdienne supérieure et une branche descendante. La sigmoïdienne inférieure donne une branche ascendante qui s'anastomose avec la descendante de la sigmoïdienne moyenne, ou quoi. Cette sigmoïdienne inférieure donne une branche descendante qui s'anastomose avec la rectale supérieure. La sigma imma est une anastomose entre le tronc des sigmoïdiens et les rectales supérieures. Colique supérieure, colique moyenne, tronc des sigmoïdiens. Et voici ici, normalement, la sigma. Les deux rectales supérieures sont les deux branches terminales de la mésentérique. La mésentérique inférieure se termine dans la racine verticale du mésocolon sigmoïdien. C'est la barre du champ sur la. Je vais t'expliquer pourquoi. Regardez. Voici la racine horizontale de ce corps sigmoïde. Voici la racine verticale de ce corps sigmoïde. Et la racine verticale de ce corps sigmoïde s'écarte ici. Au angle de l'ecteur, comportement le méso recte. Parce que tous les mésos sont pointés. Tous les mésos sont pointés, regardez. Les yeux colons ascendants, les yeux colons ascendants, les yeux colons sigmoïdes, les yeux rectales. Donc, elle donne dans la racine verticale des yeux colons sigmoïdes, les deux intérêts rectales supérieurs, ils sont sous la race postérieure privée. Voilà. Bien. Et bien, voilà, on est. C'est bon? Bien. Alors, généralement, quelques informations de QC. La colique supérieure gauche, elle est à concavité supérieure. En se dirigeant vers l'angle de colique gauche, elle passe en avant successivement
de dedans en dehors. Le dernier ministre de la vie, c'est la même des Antilles. Ah, est-ce que c'est... Voilà. En passant dans le plan intérieur et le plan antérieur. C'est la terre police de la gauche en se dirigeant vers l'ordre de police gauche, elle passe en avant, vue vers gauche. Et la même des Antilles inférieure qui vont dehors de la terre des Antilles. Ah. Elle donne deux branches, une ascendante et une descendante. C'est clair. La terre conique moyenne est constante, la terre conique inférieure gauche se dirige au but en bas et à gauche pour donner les trois artères, si vous voulez, supérieure, moyenne et inférieure, et après on a la sigma, imma, qui réunit le sigma bien inférieur que vous avez pour étale sud. Bon, détail, c'est un contact aussi, bon, c'est pas la peine. La sigmoïdienne supérieure dans la racine secondaire, la moyenne en plein méso, l'inférieure dans la racine plus. Vous voyez que j'ai parlé avec le plan. La sigmoïdienne supérieure est là. La sigmoïdienne moyenne est là. Et la sigmoïdienne inférieure est là. Quand on primaire, plein méso, secondaire, plein méso, plus. Voilà. Et dans ces deux, c'est la gauche. La supérieure dans la racine secondaire. Pour le véritable. La supérieure est dans la racine secondaire. La moyenne au plat des os, vous l'avez dit, on a dans la racine grise. La terre des antilles appelle. Et la terre principale directe. Alors là, elle pense oui, parce qu'elle donne les deux artères supérieures qui sont des artères principales directes. Les rectales supérieures vascularisent l'ampoule rectale guerre et la muqueuse du canalada. Elle est en arrière du pancréas. En arrière du génome et du pancréas. Elle vascularise le col du pancréas. Attends, elle n'est pas parce qu'elle vascularise uniquement le colon hydrique. Non? Non? Supérieure vascularise dans la grille de colon 5.
Adelante.